L'unité de corps peut se traduire par un ensemble d'habiletés physiques structurantes pouvant permettre d'améliorer nos capacités physiques. Il s'agit d'être capable d'unir l'ensemble du corps dans le mouvement afin de développer et d'optimiser au maximum la puissance nécessaire dans l'action. Personnellement, j'insiste beaucoup sur la ligne de placement qui permet de maintenir une unité de corps et un centrage convenable. Cette ligne de placement permet tout d'abord de vérifier les connexions main-pied, coude-genou, épaule-hanche et le placement vertical de la tête sur le corps. Puis durant l'action, de prendre conscience de son centre et de ses limites. Il convient cependant de rester vigilant, car lorsque nous commençons à bouger, nous avons souvent tendance à perdre notre unité de corps.